Nous, c'est souvent la question qu'on se pose. Par exemple, nous, le groupe, il s'appelle Red Star Fan. Donc, dans Fan, il y a la volonté justement d'utiliser un mot qui englobe le plus de gens possible. On était plus proche vraiment du supporter fan que de l'ultra. Je pense qu'aujourd'hui, avec une jeunesse qui arrive, avec une tribune qui se garnit de plus en plus, on tend vraiment à devenir sur un groupe dit ultra, même si nous on se revendique pas comme tel. On trouve que l'étiquette, par exemple, de notre groupe s'appelle Red Star Fan. Nous, on souhaite vraiment rassembler le plus large possible autour du Red Star dans un type de supporterisme qui effectivement se rapproche du mouvement ultra. Ouais. Mon histoire personnelle, elle est intimement liée avec l'histoire du stade. C'est que pendant 4 ans, moi je venais voir les matchs en division 2 quand j'étais petit, et pendant 4 ans j'ai pas assisté à un seul match quand on jouait à la Courneuve. Donc à l'époque j'avais 13-14 ans, donc c'était pas une question de boycott, une question de pas envie, c'est que c'était plus loin, c'est que c'était pas à côté, c'est que voilà, il y avait aucune raison d'y aller. Moi je suis revenu ici quand le Red Star est revenu à bord. Après ensuite on a commencé à rencontrer quelques personnes de ma génération, et à partir de 2004-2005 c'est là où on a commencé un peu à créer un petit rassemblement, à se rapprocher des plus anciens qui venaient ici, qui aujourd'hui a donné, 15 ans après, un truc que moi j'aurais même pas imaginé, puisqu'on a des tribunes aujourd'hui, on a plus de 1000 personnes qui chantent. Enfin, c'est juste, on m'aurait dit ça il y a 15 ans, j'y aurais jamais cru, clairement. Faut savoir que la mémoire de Rino Della Negra et son passage au Red Star, ça a été révélé par un historien en 2001, donc très tardivement. Et en 2004, il y a une plaque commémorative qui a été apposée à l'entrée du stade pour rendre hommage à Rino en sa qualité de joueur du Red Star, mais surtout en sa qualité de résistant. C'est une histoire qui nous touche un peu, qui je pense, fait écho à pas mal de valeurs que partagent les supporters du Red Star, des valeurs de tolérance, d'antiracisme, de solidarité. C'était pile dans le bon ton, c'est pour ça qu'on a développé autour de sa mémoire. Ce stade, il représente quelque chose de très fort pour tous les supporters du Red Star. Je pense qu'il est unique en son sens en France, enfin en tout cas au niveau où on joue, parce qu'on joue en 3ème division. Il est unique à plein de niveaux, déjà par son emplacement. Il est en centre-ville, chose qui est de plus en plus rare dans tous les stades modernes qu'on construit. C'est un stade qui est très ancien, mais qui a une architecture, une âme, un emplacement. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que ce club, ses supporters, dégagent quelque chose de particulier. Il y a énormément de gens au sein de la mairie, au sein du club, qui nous disaient que le stade Bauer, c'était pas possible de faire un stade pour évoluer au moins en Ligue 2, qu'il n'y avait pas la place, que pour remettre aux normes, ça allait être très compliqué. Donc nous, le premier combat, et c'est pour ça qu'on a axé sur un contre-projet de rénovation, on s'est dit qu'au-delà d'être une force de contestation, on va être aussi une force de proposition. C'est là où on a mené un contre-projet pour démontrer qu'on peut très bien rénover le stade Bauer pour un niveau Ligue 2, voire même Ligue 1. Ce qu'on souhaite, c'est que le Red Star joue de manière pérenne ici. Maintenant, pas à n'importe quel prix, donc effectivement, on veut pas un stade comme il se fait un peu partout, une espèce de vaisseau spatial sans âme. On tient à ce qu'il reste une tribune populaire, avec du coup, soit notamment des tribunes debout, soit notamment un local pour nous dans le stade. Il y a plusieurs choses auxquelles on tient réellement, l'architecture, le fait qu'il n'y ait pas de naming, que le stade s'appelle toujours le stade Bauer. Nous, par principe, on n'est pas opposés. Par contre, on fera un choix. Ce sera soit de soutenir ce projet et là, on se mettra en travers de tous ceux qui voudront le combattre, soit en s'opposant à ce projet s'il ne nous plaît pas. Et là, par contre, on s'opposera fermement à ce projet. Là, actuellement, on a des discussions régulières avec eux, donc c'est déjà un point positif, on n'est pas écarté du débat. Maintenant, on a aussi des revendications qui sont claires, donc on va voir un peu comment on va être les prochains mois, mais ça risque de se décider assez vite. Ce qui retient les gens, particulièrement ce qui leur donne envie de revenir, c'est cette atmosphère, c'est ce public, c'est ce stade, au même niveau que l'équipe. Ouais. Je pense que c'est un des rares lieux où effectivement les supporters sont autant attachés à leur club, mais aussi à son stade. Et le président du Red Star parle souvent de l'ADN du club. Ben, l'ADN du club, c'est ça. C'est le Red Star et son stade, quoi. C'est indissociable. Il y a un aspect populaire, convivial chez nous qui fait que les gens se sentent tout de suite chez eux en venant au stade Bauer. C'est ce qui attire le monde. Moi, j'ai très peu à marteler, de dire c'est comme ça ici, il faut faire comme ça. Je pense que les gens, ils captent très rapidement où ils mettent les pieds. Et c'est quelque chose qui est positif. Et nous, on est contents. On va arriver énormément de jeunes gens passionnés et qui sont motivés pour supporter le Red Star. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et qu'on apprécie particulièrement. Ouais. We'll be right back.
pour moi, c'est ce qui compose l'ADN du supporter, c'est l'essence même du supporter. Et effectivement, quoi qu'il arrive, il va falloir qu'ils trouvent des solutions, parce que, et on le voit notamment dans tous les stades de France, plus il y a des interdictions, plus il y a des fumigènes qui sont allumés, il y a un vrai défi, et je pense que c'est important, hein, c'est important de continuer à maintenir un peu ce cap, parce que le vrai problème, c'est pas les fumigènes. À la rigueur, le problème qui peut se poser, c'est la manière dont ils sont utilisés. Effectivement, jeter un fumigène sur un terrain ou sur une autre tribune, bien sûr que c'est pas quelque chose qui est intelligent. Maintenant, l'utilisation des fumigènes dans un stade, c'est un vrai débat qu'il faut avoir, et moi je considère que ça fait partie, c'est l'ADN du supporter, et clairement, je pense que ça, c'est pas demain que les supporters vont arrêter d'allumer les fumigènes.